Excellency Jean-Marc Ayrault, Honorable Minister of Foreign Affairs and International Development of the French Republic, respected Renukaji, who's with us here, Dr. Shashi Tharoor, Member of Parliament and Dean of the Asian Forum of Global Governance, Ambassador of France to India, Excellency Monsieur Ziegler, and our 41 young fellows assembled here across 26 countries as part of the Asian Forum of Global Governance, Excellencies, distinguished guests, colleagues, and patrons. It is for all of us at the Observer Research Foundation a great honor and privilege to welcome you all to the 7th R.K. Mishra Memorial Lecture. A word about the lecture series itself. This was instituted in 2010 as a tribute to our founding chairman, Sri R.K. Mishra. And since then, this lecture has become an annual flagship event in ORF's calendar. It is a lecture which the strategic community in India waits for, anticipates each year. So thank you, sir, for being here to deliver this. I'm grateful to His Excellency for agreeing to deliver the lecture of the European Union as an indispensable actor in an uncertain world. That is subject for today's topic. And to Mrs. Mishra particularly, for being here every year to bless us on this occasion, being part of the ORF and part of the ORF family. So the term an uncertain world, which is the theme of this address, captures the current moment. Speaking of the year 2016, the Oxford English Dictionary opted for the word post-truth to reflect a year dominated by highly charged political and social discourse, fueled by the rise of social media as a news source and a growing distrust of the establishment view of the establishment facts and figures. Actually, the first part of the description, because we had no social media then, the first part of the description might well have been used to describe the year 1991 in India. That was another uncertain period that marked the watershed year for a country, encumbered and struggling under a very closed and controlled economy, unable to move, unable to either move to the left or to the right, or forget moving center stage to take its place upon the world stage. At that time, in the early 90s, from within the battle trenches of the great economic crisis, taking the big picture view was particularly difficult. It was at this time that R.K. Mishra foresaw the challenge of reconciling the different and sometimes extreme political ideologies and the strains which are completely tearing the fabric of society apart. And thus was born the idea of creating a kind of jousting platform, and that is actually what the Observer Research Foundation began as. A jousting platform with the best minds in the country across the entire political spectrum, whether it is left or right or center, could meet, debate, argue, contend, and finally arrive at a political consensus. A consensus which then tried to build and create a reform agenda for an India capable of moving into the 21st century. Now, given those beginnings, the Observer Research Foundation today has come to be recognized not as an advocacy organization, but as an open forum with a single mission of developing informed policy outputs that can facilitate the creation of a strong and prosperous Indian polity at peace with itself and in sync with a rapidly globalizing world. Therefore, again at a time when the English of all people are mulling over this post-truth world, it is fitting that we have with us Monsieur Ayrault to be the first leader outside of Asia to deliver the 7th R.K. Mishra Memorial Lecture. More importantly, sir, your presence here is a testimony to our own institutional relationship as ORF
with France, as much as it is a reflection of the strength of the India-France bilateral relationship. For France, amongst the early colonial powers in India, remains something of a paradox. Now, in spite of being a colonial power, it served as an inspiration for a lot of India's anti-colonial settlements and the sentiments which ruled India after that time. The first military partnership between the two countries could perhaps be traced to the late 18th century when Tipu Sultan exchanged emissaries and letters with Napoleon. A century and a half later, the framers of the Indian Constitution took a leaf out of the French Revolution and this ideal of liberty, equality, and fraternity. During the Cold War, when our countries often found each other on opposite sides, France actually remained India's most important friend in Europe and its window to the West. It has been an economic and a technology partner, especially in defense-related sectors, and more importantly, it has always been an understanding partner, a patient partner, conscious of India's challenges and sensitive to its ambitions and needs. The very mature response of France to the Pokhran II nuclear tests of 1998 is still remembered in this country as an example not just of sure-footed diplomacy, but long-term thinking. For France, like India, is an old civilization and has the ability to look beyond the immediate, the here and the now. And today, as we assemble to listen to this address, France has emerged as one of the core anchors of the very idea of Europe, an idea that is today being buffeted in the crosswinds of several storms and cross currents which are hitting the world from every direction. And taking the fact of uncertainty as a given, we need to identify the major themes and challenges of the next few decades and how India and the EU can work together. There are areas that lend themselves to us. First of all, there is the Indian Ocean region, both dynamic and dangerous if left adrift. The minister recently spoke of how India and France, I quote him, have major shared ambitions regarding maritime security and cooperation in the Indian Ocean. France, he said, is an Indian Ocean country because of Reunion Island. France has always considered India to be an essential partner for regional stability and security, unquote. The shouldering of a greater role in the Indian Ocean is part of India's trajectory of self-realization. It is not born of the needs of power projection, but rather arising during the course of its own economic and trade enhancement. Its trajectory of growth as a country progresses into becoming a $10 trillion economy by 2030. There is a pragmatic edge. There is a pragmatic logic in Prime Minister Narendra Modi's stated aspiration of India playing a critical role as a net security provider to ensure stability and prosperity in the Indian Ocean region. Vital preconditions for growth and development. And there are a whole gamut of opportunities to partner with the EU and with France in a number of areas. Which brings me to the second area where the economy of the 21st century is being increasingly defined by the digital sphere. A seamlessly connected world has become the sine qua non just for commerce and economic growth, but as a medium for empowerment and inclusion. Witness the Digital India thrust of the Government of India, whether as a quest for a less cash society or as a mode of reaching benefits and services to the bottom of the pyramid. And the digital world too presents both an opportunity and a challenge as the problems of the real world so easily spill over into the digital. The digital today is threatened by illiberal regimes, extremist groups, non-state actors, using the reach to recruit and radicalize people online, wicked problems that even the most rigorous border controls have failed to prevent from proliferating across countries. Partnerships are the only solution, and an India-EU partnership becomes vital. Europe and India share a common periphery. West Asia, or as
Europe prefers to call it the Middle East. It is our common neighbor. And there is no doubt that developments that take place in the region impact both significantly India with its 7-8 million strong diaspora living there, and therefore a stakeholder in the stability of the region, and any developments implicate India and Europe directly. Therefore, the need to work together, think together, and strategize together. And as India assumes its role as a leading power, it is increasingly conscious of its global obligations. This was one reason why Prime Minister Modi stakes so much in Paris. During the Paris Agreement, as the global community came together to tackle climate change, France was a site where the differences on the issue between the EU and India were actually resolved. France may well have an increasing significant role as an interlocutor on other subjects as well. Honorable Minister, sir, France and the EU will need to be significant actors. They will also need to become indispensable partners in the days ahead. And with these words, I would like you to come and address us on the 7th RK Mission Memorial Lecture on this very important theme. Thank you, sir. Mr. Hono, thank you very much, sir. I'm very impressed for this gift, symbolic. Thank you very much for your invitation, Mr. Director, dear Sunjoy, Joshi. I know the importance of your think tank as the foundation, Observer Research Foundation, and thank you for giving me the opportunity to speak about the relationship between France and India, but this morning about Europe, European Union. The reality now of the European Union and the future also to for this union is at this time, at this uncertain, in the framework of this uncertain time. I'm sorry, in French, but I know you have a translation. Et je voudrais d'abord vous remercier à nouveau pour votre invitation et puis vous dire le plaisir que j'ai de participer à cette conférence. Et comme vous l'avez rappelé, qui est tenu en mémoire de l'initiateur de votre fondation, M. Rishi Kumar Mishra. Et M. Mishra a été une source d'inspiration en matière de politique étrangère pour plusieurs ministres successifs. Et il défendait une vision généreuse et universaliste du monde. Ce qui n'empêchait pas d'ailleurs d'être un grand patriote indien. Rishi Kumar Mishra voulait construire des ponts entre la philosophie indienne traditionnelle et le monde d'aujourd'hui. C'était un homme qui respectait les frontières, mais qui aimait aussi qu'on puisse les franchir. Et cette synthèse me semble une juste introduction pour notre thème d'aujourd'hui, l'Union européenne. L'année 2016, vous le savez, a mis l'Union européenne à rude épreuve. La défiance, il faut le dire, à l'égard de son fonctionnement en Europe, gagne du terrain parmi les peuples européens. Il serait d'ailleurs réducteur de croire que seule cette défiance explique le résultat du référendum britannique sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais en même temps, il est impossible de nier que ce résultat nous dit beaucoup de choses sur l'état du projet européen et de sa perception par les citoyens européens. D'abord, l'Union européenne doit faire face aux défis de sa sécurité. Les tensions à ses portes se multiplient et elles ont un impact direct sur les pays européens. Plusieurs régions de notre voisinage
sont en proie à l'instabilité et même à la guerre. Je pense évidemment à la Syrie, à l'Irak, mais aussi à la Libye, à l'Ukraine ou au Sahel en Afrique. Des millions de réfugiés quittent leur pays pour échapper à la barbarie. L'absence de perspectives précipite de nombreux Africains sur les routes périlleuses d'émigration. Les groupes terroristes, à commencer par Daesh, se nourrissent de ces tensions et de ces frustrations et menacent directement l'Europe en s'efforçant de semer au sein de nos sociétés mêmes, démocratiques, la division et la haine. Ces conflits dont je viens de parler, ces menaces dont je viens de parler, ces crises humanitaires dont je viens de parler, elles ne se produisent pas loin de l'Europe. Elles se produisent à quelques centaines de kilomètres de l'Europe. C'est pourquoi elles impactent tant l'Europe et les bousculent. Donc le fonctionnement interne de l'Europe lui-même est en question. Des tensions existent à l'intérieur de chaque État membre. Et si on regarde la diversité du paysage politique et national européen, on va d'abord regarder du côté des derniers membres de l'Union européenne qui l'ont rejoint, c'est-à-dire à l'est de l'Europe, et ces tensions sont très fortes en Pologne, mais c'est vrai aussi en Hongrie, et c'est vrai en Autriche, qui est un membre plus ancien de l'Union européenne, et c'est vrai en Allemagne, qui est le pays qui a accueilli le plus de réfugiés, c'est vrai aux Pays-Bas, qui en a accueilli peu, c'est vrai en Italie, où les pressions migratoires sont très importantes, et c'est vrai aussi en France. Aujourd'hui, les partis populistes sont en constante croissance et tirent argument des évolutions du monde en général, de la menace terroriste en particulier, de la peur du déclin aussi, et en profitent pour remettre en cause le projet européen lui-même et contester les valeurs qui en sont le fondement. Bien sûr, à nos yeux, c'est une évidence, ils font fausse route. Ils entraînent sur le mauvais chemin. Ils n'apportent pas de solution. Mais ils exploitent ces peurs. Et ils ont des succès. Mais ils sont aussi des menaces, ou une menace pour nos démocraties. Et donc c'est une réalité politique qu'il faut regarder en face. C'est pourquoi l'Europe a le devoir de lucidité. Et l'Europe doit s'adapter pour répondre concrètement à ces inquiétudes, les inquiétudes qui traversent tous les peuples européens. Mais ce n'est pas la seule cause de nos difficultés. Je crois qu'il faut être honnête pour le rappeler. Car ce serait limiter les questions qui se posent aujourd'hui à la seule Europe, alors qu'elles se posent ailleurs aussi, et qu'il ne faut pas les oublier. La crise financière de 2008 a laissé des traces profondes. Et les mutations qui sont à l'œuvre dans le monde créent de nombreuses opportunités, c'est vrai, mais créent aussi davantage de risques pour les plus vulnérables, les plus modestes, ceux qui ont le sentiment que la globalisation du monde ne leur bénéficie pas. D'ailleurs, forcé de constater que les inégalités croissent. C'est aussi le fruit de la préférence qui a été apportée déjà depuis de longues années à la rémunération du capital sur celle du travail et qui contribue à creuser les écarts. Conjuguée à une révolution du numérique et qui, il faut le dire, est faiblement créatrice d'emplois, même si elle crée de la valeur, cette évolution pèse particulièrement sur les classes moyennes et sur les classes populaires et qui sont, ayant ce sentiment d'abandon ou d'échec,
laissée à la tentation des extrêmes. Et les tensions qui en découlent sont perceptibles partout, je le disais. Elles ne sont pas perceptibles qu'en Europe, elles sont perceptibles notamment aux États-Unis. Les électeurs américains ont choisi une personnalité qui incarne une rupture. Une rupture. Mais la question qui se pose à nous tous, j'imagine aussi en Inde, pourquoi faire ? Pour l'instant, ce sont surtout les interrogations qui dominent sur le cours que souhaitera donner cette nouvelle administration à sa diplomatie après le 20 janvier, dans quelques jours maintenant. Bon, je veux être clair. L'Union européenne et la France, en particulier, ont, avec les États-Unis, ont une histoire commune, une histoire ancienne, des valeurs partagées. Et je suis convaincu que ces intérêts communs vont continuer à régir nos relations avec ce pays, et cela dans le long terme. Et nous serons amenés, j'en suis convaincu aussi, à trouver un terrain d'entente sur les enjeux les plus centraux du moment, notamment la lutte contre le terrorisme, à laquelle les États-Unis, comme l'Union européenne, contribuent à l'échelle mondiale. Parce que la France et les États-Unis sont des alliés, je dirais même les plus anciens alliés. Mais ça ne peut pas changer, cette réalité-là. Ça ne peut pas changer. D'ailleurs, avec la nouvelle administration, la France va développer rapidement des relations étroites. Aucun effort ne sera épargné pour convaincre que l'intérêt des États-Unis est mieux protégé lorsque, par exemple, nous luttons ensemble contre le changement climatique dans le cadre d'une approche collective ou lorsque le commerce international se développe sur la base de règles acceptées par tous dans le respect de la réciprocité et de l'équité. Il y a une tentation unilatérale. C'est vrai, elle existe. Mais face à cette tentation, ou à l'idée que des deals peuvent suffire à régler les affaires du monde, la France, en toute indépendance, comme elle a toujours fait, fera entendre sa voix. Elle dira sa conviction. Et elle pourra, par exemple, faire en sorte que l'Europe incarne avec beaucoup plus de force une vision du commerce international qui soit bénéfique au plus grand monde. C'est donc pas la fermeture qui est la voie, mais c'est l'exigence, la réciprocité, le respect d'un certain nombre de règles fondamentales, de normes aussi, qu'elles soient sociales, qu'elles soient environnementales, en tout cas qu'elles donnent des perspectives positives. C'est possible, à condition d'être clair et d'être ferme sur les principes de base qui seront justement la clé d'une bonne négociation. Ma conviction, c'est que face aux défis globaux du monde, la seule réponse possible, c'est une réponse portée par une volonté politique collective. Et si on regarde l'histoire de l'Union européenne, depuis les débuts, la fondation de l'Union européenne est un des exemples les plus beaux et les plus pérennes de cette approche pour régler les problèmes politiques. Depuis 60 ans, l'Union européenne a été suffisamment forte pour nous faire émerger du pire, c'est-à-dire de cette guerre fratricide qui a endeuillé, qui a meurtri notre continent. Et les horreurs que notre continent a été capable d'engendrer jusqu'à la négation même de l'humanité. Des hommes qui sont nés au 19e siècle, c'est-à-dire des hommes comme Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, ou Jean Monnet, donc des hommes qui ont été marqués par le siècle suivant, c'est-à-dire par cette tragédie de la première moitié du XXe siècle, avec la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, le fascisme, le nazisme, l'horreur de la Shoah. Ces hommes avaient conscience
de leurs responsabilités et ont été capables, en dépassant les différences entre les pays, de mettre en avant l'essentiel, c'est-à-dire de protéger et renforcer les valeurs et les objectifs que nous avons désormais en commun. Ces valeurs et ces objectifs sont restés les mêmes. La démocratie, le respect de l'état de droit, l'égalité de tous, la capacité à réunir les peuples de l'Union européenne grâce à des réalisations concrètes permettant la naissance d'une solidarité commune. C'est ce que nous avons fait en Europe depuis 60 ans. C'est un bien précieux, même s'il est fragilisé aujourd'hui. Mais je dirais un bien qu'il faut à tout prix préserver, si on a bien conscience que l'histoire s'inscrit dans le long terme et qu'il peut y avoir des périodes de dépression, mais qu'il ne faut pas perdre le cap, parce que l'Europe, c'est une réussite. L'Europe, c'est un succès collectif. Elle donne à chacun de nos États membres une voix plus forte et un rayonnement plus grand dans le monde du XXIe siècle. Si on regarde la réalité économique et la réalité commerciale à l'échelle du monde, des grands équilibres, l'Europe est la première puissance économique et commerciale du monde. Et on n'en a pas toujours conscience, mais c'est la réalité. Et elle défend les intérêts de ses États membres, tout en agissant pour le bien commun, en contribuant à faire progresser les normes sociales, les normes environnementales, en favorisant le développement durable dont dépend l'avenir de notre planète. C'est vrai que le continent européen, c'est l'histoire politique, c'est l'histoire sociale, et sans doute le continent où les normes sociales, environnementales, les normes de solidarité, les normes de politique sont les plus élevées au monde du point de vue des standards. Donc c'est un acquis extraordinaire, c'est une force extraordinaire. Et encore une fois, dans cette période de la montée des populismes, malheureusement, les peuples ont en partie perdu la confiance et la conscience de cette réalité qui est une force et qui est une protection pour eux. Car je crois aussi que l'Europe est un des plus grands espaces démocratiques du monde, l'un des plus grands espaces de liberté pour la circulation des biens, pour la circulation des capitaux, pour la circulation des services, mais aussi et surtout la circulation des hommes. Elle est la région du globe où les richesses sont les mieux réparties, où l'égalité des chances est la mieux garantie. L'Union et ses États membres contribuent en outre à plus de la moitié de l'aide au développement dans le monde. La moitié de l'aide au développement à l'échelle du monde. Donc c'est sûr que cet acquis-là est extraordinaire. Cette intégration européenne a permis de construire un espace de stabilité, un espace de paix et de démocratie. Nous défendons ensemble des valeurs universelles. Et je salue les ambassadeurs de l'Union européenne qui sont présents des différents pays, qui ont bien voulu venir répondre à votre invitation, qui sont parfaitement conscients de ça et représentatifs de ça, de défendre ensemble ces valeurs universelles que sont les droits de l'homme, les libertés, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre la peine de mort. Ils agissent en faveur du règlement pacifique des conflits au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs, et ils font en sorte que le multilatéralisme l'emporte sur la tentation unilatérale et les dangers d'une dérive progressive vers la confrontation des nationalismes. Car nous qui avons connu en Europe les nationalismes et ce qu'ils ont produit, nous devons à tout prix veiller à ce que nous n'assistions pas aujourd'hui, non pas seulement au retour des courants populistes dans nos démocraties, mais au retour des nationalismes. C'est ça qui est à l'œuvre. Et en même temps, quand on regarde la réalité économique et sociale, l'Union européenne fait beaucoup, elle soutient la croissance, elle favorise l'investissement, elle agit de manière concrète et déterminée pour la sécurité de ses citoyens et au-delà. Elle construit une stratégie ambitieuse en matière de défense et de sécurité. Elle forme un espace de recherche dense, attractif, favorable à l'innovation.
Enfin, les accords de libre-échange, c'est l'Union européenne, au nom de tous ses membres, qui reçoit mandat de négocier, et ce qui, bien sûr, dans les négociations, nous rend plus forts et plus cohérents. Car, je le dis, si un pays décide de sortir de l'Union européenne, quand il sera sorti, ce qui demande du temps, alors il sera tout seul pour négocier ses accords de libre-échange, un par un, et les anciens accords devront être d'ailleurs tous renégociés. On repartira à zéro. Et vous voyez à quoi je fais allusion. C'est une évidence. Donc ce n'est pas rien de sortir, de prendre la décision de sortir. Mais comme je vais y revenir, je vous l'ai dit, je préciserai un peu les choses. En tout cas, notre responsabilité à nous, Européens, aujourd'hui, c'est d'agir pour amplifier ces résultats que je viens de vous décrire. Et récemment, en septembre, à Bratislava, une feuille de route a été adoptée par les chefs d'État et de gouvernement, et notre responsabilité, c'est désormais de mettre en œuvre les engagements qui ont été pris pour consolider l'Europe, et en particulier l'Europe à 27, pour que l'Europe à 27 ne soit pas moins forte qu'à 28, mais qu'elle le soit davantage. Et c'est pourquoi je veux vous parler maintenant de cette importante décision qui a été prise par le peuple britannique en 2016, de ne plus contribuer à ce grand projet lancé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Peu imaginaient ce résultat du Brexit, à vrai dire. C'est un résultat inattendu, mais je pense qu'il faut parler franchement et dire que c'est le résultat d'une tactique politique hasardeuse qui a été prise par le Premier ministre en place, David Cameron. C'est aussi l'expression d'un particularisme insulaire. C'est sans doute aussi la volonté assumée de répondre à des défis migratoires, par ailleurs largement instrumentalisés pendant la campagne. Je sais que beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit sur les motivations de ce vote. En tout cas, aujourd'hui, ce sont les conséquences qu'il faut regarder en face. Les conséquences de ce que j'appellerais un coup politique, un coup tactique, et dont les conséquences seront encore longues à se manifester concrètement. Mais on voit bien que le gouvernement de Theresa May a du mal à fixer une ligne. Et il a du mal à mettre en œuvre la volonté exprimée par son peuple et à éviter de mettre en péril la cohésion même du Royaume-Uni. Donc c'est une responsabilité lourde qui a été prise. Alors, en même temps, il y a un cadre qui permet de faire face. C'est le cadre des traités européens qui ont prévu un calendrier de négociation, un cadre avec une procédure transparente, démocratique, respectueuse de chacune des institutions de l'Union européenne. Et je rappelle que dans les institutions européennes, il y a la Commission, qui est en quelque sorte l'exécutif. Il y a le Conseil, qui est formé par les représentants des États membres. Et puis, il y a le Parlement européen. Et donc, les citoyens européens qui votent directement pour leurs représentants, avec en plus, dans chaque État, les parlements nationaux. Donc, en ce qui concerne l'Union européenne, sur la base des traités, elle est prête à entamer les négociations avec le Royaume-Uni, mais pour cela, il faut que le Royaume-Uni notifie officiellement son intention de se retirer de l'Union européenne, et qui permettrait alors d'activer ce qu'on appelle l'article 50 du traité, et qui précise les conditions dans lesquelles cette négociation doit se faire. Ce qui est important, c'est de préserver l'unité des Européens, de ceux qui n'ont pas décidé de sortir, c'est-à-dire des 27. Et aujourd'hui, je suis heureux de constater que les Européens sont unis dans ce processus et qu'ils ont fixé plusieurs principes qui vont guider la négociation à venir. D'abord, le choix de l'Union du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne, c'est vrai, soulève des questions quant à l'avenir de l'Union européenne sans le Royaume-Uni, mais en même temps, ma conviction, c'est que l'Europe saura surmonter ses difficultés passagères et que la construction européenne offre tant d'avantages, tant de perspectives, que nous avons constaté que juste après le Brexit, lorsque le vote est intervenu, il a provoqué un tel choc, d'abord en Grande-Bretagne et dans le reste de l'Europe, mais aussi dans le monde, qu'on aurait pu craindre
une sorte de contagion dans les autres pays européens. Certes, des partis populistes, c'est le cas en France, ont demandé un référendum, mais les opinions publiques ont plutôt réagi positivement, et on l'a vu dans les sondages d'opinion, où le souhait de maintenir, de rester dans l'Union européenne a augmenté, et resté largement majoritaire, mais a même augmenté, ce qui est positif. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pour autant prendre en compte les questions qui se posent sur le fonctionnement de l'européenne et de l'améliorer encore. Parce que l'Europe a changé beaucoup et vite parfois. Certains disent trop vite. En 1957, nous étions 6 membres, 6 pays membres. Aujourd'hui, nous sommes 28. Demain, nous serons 27. C'est vrai que nous formons un ensemble politique unique. Mais cet ensemble politique unique a été capable d'abord de préserver la paix en Europe, ensuite de traverser des crises profondes, et elles ont été nombreuses, et d'adapter son fonctionnement. Je rappelle que parmi les crises, non seulement il y a eu les crises économiques, j'en ai cité une, mais il y en avait eu d'autres avant, il y a eu cette rupture qui était en même temps positive, mais qui pouvait soulever bien des incertitudes. C'était la chute du mur de Berlin qui a symbolisé aussi la fin de la guerre froide et la chute de l'Union soviétique. Ça aurait pu se passer dans la difficulté, dans la confrontation. Ce n'est pas le cas. Ça s'est passé avec responsabilité, avec intelligence, car il fallait régler la question des frontières entre la Pologne et l'Allemagne. Et là, les dirigeants européens, comme le dirigeant soviétique de l'époque, Gorbatchev, mais aussi les dirigeants de la communauté internationale, dont le président américain, ont fait face avec lucidité, esprit de responsabilité, sans provocation, ce qui fait que cette réunification de l'Europe, que cette fin de l'Union soviétique, que cette chute du mur de Berlin, que cette fixation définitive des frontières en Europe, s'est faite pacifiquement. C'est essentiel. Ça ne veut pas dire que toutes les autres questions de l'Europe ont été traitées pacifiquement. Nous avons été capables de traiter pacifiquement la question de la réunification allemande, qui était lourde, et de la réunification de l'Europe, ce qui fait que la Pologne, la Hongrie, comme je l'ai dit, et d'autres pays, les pays baltes, sont venus dans l'Europe. Mais par contre, ce n'a pas été le cas pour l'ex-Yougoslavie, où là, les dirigeants du monde, et en particulier les dirigeants européens, n'ont pas su faire preuve de la même sagesse. Ce qui veut dire que rien n'est jamais écrit à l'avance. On est capable ou non, si on fait preuve de lucidité, de courage et de sagesse, de régler les conflits, mais pas toujours. Donc rien n'est jamais acquis, et il faut en être conscient, il y a toujours des menaces, il y a toujours des risques. Je reviens sur les lendemains du référendum britannique. Et encore une fois, pour vous dire que c'est l'attachement à l'Union qui s'est exprimé à nouveau. Mais en même temps, je le redis, nous avons un devoir de lucidité face aux interrogations des peuples européens. Et je crois que les peuples européens ne veulent pas moins d'Europe, même si ces tendances existent. Mais elles veulent surtout une Europe qui réponde vraiment à leurs questions, à leurs préoccupations, à leurs attentes. Une Europe qui défende nos valeurs, mais qui assure aussi la prospérité économique et qui garantisse le progrès social, qui offre à chacun davantage d'opportunités au sein de sociétés libres qui doivent rester ouvertes au monde et tournées vers l'avenir. C'est ça le défi actuel européen. Actuellement, des projets européens ambitieux sont en cours, notamment pour mieux assurer la sécurité des Européens, pour lutter contre le terrorisme et son financement, mais aussi comme lutter contre toutes les formes de trafic. L'Union européenne est une puissance clé pour son voisinage, mais aussi une force de paix à l'échelle mondiale. Elle attend, dans les années à venir, apporter des réponses décisives aux enjeux globaux, à continuer à soutenir un ordre international reposant sur la primauté du droit, sur le règlement pacifique des différends et sur le multilatéralisme. L'indépendance stratégique de l'Union européenne, grâce à celle d'États membres comme la France, est à cet égard son meilleur atout. Je rappelle que nous intervenons dans 16 opérations de gestion de crise de l'Union européenne.
dont 6 opérations militaires menées dans plusieurs régions du monde, parfois en soutien aux opérations de l'ONU. L'Union européenne est un acteur incontournable. Elle l'est pour l'Inde, qui est un partenaire fiable. C'est le cas notamment dans l'océan Indien, où l'Union européenne mène l'opération Atalante contre la piraterie en s'appuyant sur les capacités navales de ceux des États membres qui en disposent, au premier rang, bien sûr, la France. Cette opération a considérablement réduit ce fléau et renforcé la sécurité des voies de navigation stratégiques pour la communauté internationale en général et l'Inde en particulier. Une collaboration fructueuse s'est engagée en ce sens avec la marine indienne. Et puis, il y a d'autres coopérations qui peuvent être envisagées. Je pense, par exemple, au maintien de la paix en Afrique, où l'Inde comme l'Europe sont particulièrement actives. Je pense, bien sûr, à l'Afghanistan, où l'Inde et l'Union européenne jouent un rôle crucial pour la reconstruction, pour le développement et la stabilité. Notre Union poursuit son ambition de bâtir une économie de la connaissance en déployant des capacités d'investissement considérables en faisant le choix de la recherche et du développement. Les capacités d'investissement de l'Union européenne sont une ressource pour le financement des programmes lancés par l'Inde, pour assurer la modernisation et le développement économique du pays. Et je crois encore que nous pouvons renforcer nos coopérations dans ces domaines. Et je veux aussi rendre hommage à l'initiative prise par le Premier ministre Modi d'une alliance solaire internationale. Nous en avons parlé ensemble lors de ma rencontre avec lui, que nous avons pu aussi ensemble lancer à Paris en marge de la COP21 et qui va demain contribuer au développement de l'énergie solaire partout dans le monde. Les États membres de l'Union européenne s'engagent aujourd'hui dans une nouvelle voie en faveur du renouvellement de leurs projets. Au mois de mars prochain, la construction européenne va fêter ses 60 ans. C'est l'anniversaire du traité de Rome, le 25 mars, qui donnera le signal, je le souhaite, d'un nouveau départ, de l'affirmation de notre volonté commune de résister au fatalisme et aussi au défaitisme. Il marquera une étape déterminante dans la relance nécessaire du projet européen. Les nations européennes existent et elles vont subsister. Nous n'avons pas la prétention de les effacer, ce serait d'ailleurs une erreur. L'Europe, c'est une communauté, mais une communauté d'États-nations, chaque nation avec son histoire, ses traditions propres et ses originalités, ses spécificités demeureront. Mais l'originalité de la construction européenne, c'est justement que ces nations qui se sont affrontées ont décidé librement de mettre en commun ce qui les rend plus forts. Dans le monde incertain dans lequel nous sommes désormais, cette union originale et unique est plus nécessaire que jamais, pour les peuples européens, mais aussi pour le reste du monde. Je dis bien le monde incertain dans lequel nous sommes entrés. Il n'a jamais été aussi incertain depuis des décennies. Et dans ce contexte, je voudrais dire aussi que la France et l'Allemagne jouent un rôle essentiel. C'est vrai qu'elles ont joué un rôle dès l'origine dans la construction de l'Europe. Lorsque Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, lance son appel pour la construction d'une Europe, mais par des étapes modestes, il faut bien le dire, en 1950 à Paris, c'était au ministère des Affaires étrangères, dans un salon qu'on appelle le Salon de l'Horloge et qui est devenu célèbre. C'est aussi une main tendue à l'Allemagne qu'il fait. Ce n'est pas un acte mineur, c'est un acte essentiel. C'est la conviction que c'est dans une alliance, même modeste au départ, que l'on va construire l'avenir de l'Europe pour bannir à jamais le risque d'affrontement, le risque de menace de guerre. Et l'Allemagne comprend ce message, et c'est de là qu'est né, au fond, dans cette relation, on peut dire, intime, entre la France et l'Allemagne, le projet européen. Nous n'étions pas seuls. Il y avait d'autres pays, bien sûr, fondateurs. Mais ça s'est joué là. Et cette relation singulière entre l'Allemagne et la France, même s'il nous arrive d'avoir des divergences, et c'est vrai, c'est légitime, nous sommes deux nations différentes, deux peuples différents, mais nous savons bien que lorsque nous apportons ensemble des solutions à des problèmes qui s'opposent, alors l'Europe avance. Récemment encore, lorsque nous avons fait des progrès
pour mettre en place les principes d'un renforcement de l'Europe de la défense, les ministres des Affaires étrangères, les ministres de la défense, français et allemands, ont travaillé ensemble, ont fait des propositions communes et qui nous ont permis d'entraîner les autres Européens. Je crois que c'est essentiel que cette singularité, cette relation, se poursuivre, et vous savez bien que c'est essentiel, que c'est important, et vous-même, en Inde, vous n'y êtes pas indifférent, loin de là. Je reviens à la relation entre l'Inde et l'Union européenne. Encore une fois, je répète, nous sommes unis par des valeurs communes. Nous partageons une vision des relations internationales fondée sur le multilatéralisme et le dialogue, plutôt que le rapport de force. Et l'Union européenne a la volonté et la capacité d'apporter des réponses collectives à ces défis. Cette volonté précieuse, tout comme l'est l'implication des grands pays émergents sur la scène internationale, à l'heure où le niveau d'engagement des États-Unis dans le monde devient de plus en plus flou, de plus en plus incertain, et alors que l'inaction, l'indécision et le repli sur soi nous exposent encore plus aux menaces. L'Europe est le premier partenaire commercial de l'Inde et l'un des premiers investisseurs dans le pays. Avec un marché unique de 500 millions de personnes, elle offre aux entreprises indiennes des opportunités économiques sans équivalent. Et je l'ai encore dit hier à Vibrant Gujarat, à Ahmedabad, j'invite vos entreprises à choisir la France pour accéder à ce marché. La France est la première destination des investissements industriels étrangers en Europe. On ne le sait pas souvent, mais c'est pourtant la réalité. Elle dispose d'atouts pour être, permettez-moi d'emprunter une expression anglaise, « India's gateway to Europe ». C'est ensemble que l'Inde et l'Union européenne trouveront les moyens de répondre efficacement aux défis communs qu'elles doivent affronter. C'est ainsi qu'elles trouveront la voie d'un développement économique porteur d'une croissance durable et inclusive. Cette croissance devra reposer plus que jamais sur la recherche, sur l'innovation, sur la formation. Elle devra se faire au bénéfice de tous, y compris des plus vulnérables. C'est ensemble que nous répondrons aux défis énergétiques et climatiques. Tout cela, nous l'avons évoqué depuis le début de mon séjour ici, et je suis heureux de constater combien nous partageons ces objectifs et combien nous avons des convergences et combien la relation, le partenariat stratégique entre l'Inde et la France est une réalité et pas seulement une formule. En tout cas, face au défi, je pense à celui du terrorisme international, c'est ensemble que nous pouvons répondre. Pas seulement la France, mais l'Europe. Et en étant bien sûr deux territoires directement menacés par ce terrorisme, précisément en raison de ce qui nous rassemble et que les terroristes cherchent à fragiliser, c'est-à-dire notre conception démocratique de la société, la liberté. Alors nous allons répondre à ce défi conjointement, en coopérant encore davantage dans la surveillance des groupes terroristes, dans la lutte contre la radicalisation au sein de nos sociétés ou contre les réseaux de financement du terrorisme, dans le respect de ces valeurs fondamentales que nous avons en partage, mais qui ne sont malheureusement pas partagées par tous. Voilà un des grands défis. Mais ce qui est important, c'est d'être lucide, d'être conscient. Et c'est important aussi d'avoir la volonté de ne pas se décourager, de ne pas baisser les bras. Car l'histoire est faite par les femmes et les hommes qui décident que le destin est le résultat d'une volonté collective. Fort de cette ambition, nous allons construire en ce qui nous concerne une Europe de paix, de démocratie et de prospérité durable et partagée. Et puis c'est aussi une question de volonté politique. J'ai commencé hier à Ahmedabad ma journée par une visite à l'ashram Mahatma Gandhi. C'était pour moi l'occasion, j'allais dire, de me recueillir devant la mémoire de cet homme, bon, qui un jour quitte son pays pour travailler dans un autre, comme avocat, et qui va en Afrique du Sud et qui découvre un monde qu'il ignorait au fond, celui de l'apartheid. J'ai eu l'occasion à Durban de visiter la maison où il a vécu. Et là, bien sûr, il y a aussi une exposition où on raconte qu'un de ses premiers chocs, ça avait été voyageant en première classe, habillé
comme un avocat, pensant qu'il avait les mêmes droits que les autres, on lui avait dit, et pas très gentiment, qu'il n'avait pas sa place dans cette classe-là et qu'il fallait qu'il redescende un peu plus bas. Il y a eu comme une prise de conscience, comme une révolte, et comme le début d'une histoire et d'une conquête. Mais c'était la conquête de la dignité, c'était la conquête de la liberté, et c'était la conquête aussi par la voie pacifique, par la voie de la non-violence. Une leçon extraordinaire. C'est cette leçon-là que je suis allé retrouver en faisant cette visite émouvante et si riche. Et c'est ce message d'espoir que je voudrais vous dire en conclusion. Si nous gardons le cap, si nous gardons cette référence sans cesse aux valeurs les plus profondes, les plus humanistes, alors tout est possible. C'est pourquoi je suis heureux de m'adresser devant vous et pour vous dire que ce qu'en Europe, nous avons été capables de surmonter, c'est-à-dire la violence, et toujours la violence par la voie pacifique, nous sommes capables de continuer à le faire à l'échelle du monde, et je crois qu'avec l'Inde, nous partageons cet objectif, et c'est pourquoi, malgré les difficultés, malgré les incertitudes, nous pouvons rester confiants et optimistes. Merci encore de votre invitation. We will take a few questions and we will bunch them together. I do know two of the names of those who want to ask a question. I have Serena Chaudhary. And can I request you to walk to the mic closest to you and pose your question, introduce yourself. Good day, Minister. My name is Serena Chaudhary. Thank you so much for your time this morning. You've outlined a lot of the challenges that we're facing in our world today. What I actually wanted to ask you is with regards to the European project, what should the EU be focusing on in 2017 to actually restore people's belief in the project as a whole? Thank you. Can I request Ivan to ask the second question? There you are, Ivan. Hello, Minister. It was very nice to hear your speech, and I have quite a... Can you introduce yourself? Of course. My name is Ivan Vejvoda. I'm a member of the Racine Young Fellows, and in my everyday work, I work in the negotiating team for accession to the European Union of Serbia. And I would like to ask, and I am a Euro enthusiast, as much as one can be nowadays, and I believe in the uniting factor of the European Union for our continent, and also its role as a peace project that is an example to the world. But to ask a similar question as my colleague, I also believe that the European Union is in need of reform, or as you say, it needs to adapt. And I would like to ask you, first of all, if you don't agree with me, why you don't agree with me? And on the other hand, if you do, which way do you think this reform will go? Will it be sort of towards more federalization, towards the devolution of powers to the member states, or maybe this sort of model of a two-speed Europe with some countries being more integrated and others being less integrated? Thank you. Ambassador Bhatia. Thank you very much, Minister, for a brilliant exposition of various challenges Europe faces today. I began my career in your country, and I've always tended to look at French foreign ministers as very serious strategic thinkers. So let me ask a question on the strategic aspects. You know that there's much talk these days about reset in US-Russia relations. Do you think this might come through? And if so, what kind of an impact it would have on the European project? An interrelated one, sir, if you permit me, is emanating from your observation that multilateralism should prevail and not unilateralism. Now, how do you look at the way unilateralism is being displayed in East Asia, particularly on South China Sea issues, a matter which is causing widespread concern in this part of the world? How does France look at China's assertive behavior in this region? Thank you. Can you take one more, Minister?
The lady there, please. Professor Anita Indersingh. How united is the EU about dealing with Brexit? How united is the EU about dealing with Brexit? Thank you. Okay. Beaucoup de questions en même temps. L'unité des Européens est essentielle par rapport à la dernière question concernant le Brexit. Il faut la préserver. Nous ne cherchons pas à engager une négociation conflictuelle avec le Royaume-Uni. Nous souhaitons avoir un accord avec le nouveau statut dans lequel que le peuple britannique a choisi, c'est-à-dire en dehors de l'Union. Mais en même temps, il faut conserver des relations économiques, des relations politiques, c'est évident. La Grande-Bretagne est un membre permanent du Conseil de sécurité, en tout cas comme la France, et très souvent, sur beaucoup de questions, nous nous retrouvons. Parfois, nous défendons les mêmes positions au Conseil de sécurité. La Grande-Bretagne aussi dispose d'une force armée, d'une défense. Donc, nous pouvons nous retrouver sur un certain nombre de sujets, comme la lutte contre le terrorisme. Donc, ils nous garderont des relations politiques. Après, c'est la relation entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne qu'il faut clarifier. Et c'est tout l'enjeu de la négociation. Et cette négociation ne peut pas se faire au détriment de la spécificité de l'Union européenne et de son marché, des règles de son marché unique. La base, je l'ai dit, je le répète, c'est la libre circulation des capitaux, des marchandises, des services et des personnes. Donc on ne peut pas être hors de l'Union et n'avoir qu'une partie de ces règles de base. Et comme la question migratoire a pris une ampleur considérable dans le débat politique britannique, on sent bien que le rêve, ça serait de continuer à bénéficier du marché sans en avoir les véritables contraintes. Et quand on est dans un marché, il y a des normes. Il n'y a pas seulement des règles communes, comme celles que je viens de rappeler, les quatre libertés, mais il y a aussi des normes sociales, des normes environnementales. Donc, la logique, c'est que la Grande-Bretagne devienne un pays tiers avec laquelle l'Union européenne négocie un contrat, un traité, mais qui ne remette pas en cause les fondements même de l'Union européenne. C'est toute la difficulté. Et pourquoi le gouvernement britannique a-t-il tant de difficultés à trancher ? C'est parce qu'une grande partie des Britanniques regrette la décision qui a été prise et aurait préféré rester, sauf que le peuple a voté. Et que pour un gouvernement qui doit respecter le vote populaire, il est difficile de faire autrement. Mais ça rend là, ça crée des tensions internes très fortes, y compris au sein même du gouvernement. Mais c'est l'intérêt des Européens, mais c'est aussi l'intérêt de la Grande-Bretagne d'avancer et de ne pas trop tarder à avancer. Comme vous le savez, ça prend du retard, puisqu'il y a eu aussi des recours devant la Cour suprême, je ne sais plus comment elle s'appelle, britannique, contestant la méthode du gouvernement, considérant que le Parlement britannique devrait avoir son mot à dire, bref, des problèmes internes à la Grande-Bretagne. Mais si ça dure trop longtemps, c'est pénalisant pour la Grande-Bretagne, plus encore que pour l'Union européenne, et c'est pénalisant aussi, pas seulement économiquement, mais c'est pénalisant politiquement, car c'est créer des tensions au sein du Royaume-Uni, et en particulier avec l'Écosse et l'Irlande. Donc c'est une lourde décision qui a été prise. Et quant à aux volontés ou velléités du Royaume-Uni de négocier des traités de libre-échange pour son propre compte avec d'autres pays du monde, ça ne sera pas possible
tout pendant que la Grande-Bretagne n'aura pas définitivement acté sa sortie de l'Union européenne. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ceux qui négocient les traités, ce n'est pas chaque membre de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui a la compétence complète de négocier des traités. Alors bien sûr, avec l'accord des gouvernements et des États qui sont dans le Conseil européen, sous le contrôle, leur contrôle, sur le, c'est-à-dire la définition du mandat de négociation, mais ce n'est pas la France qui négocie un traité commercial avec un autre pays, c'est l'Union européenne. Et donc c'est la même chose pour la Grande-Bretagne. Et quand la Grande-Bretagne vient en Inde en disant qu'on va négocier un traité de libre-échange, ça, ce n'est pas demain la veille. Il faudra attendre longtemps, il faudra d'abord être sorti de l'Union européenne pour le faire. Donc je décris cette situation. Donc les Européens sont conscients des avantages qu'ils ont à rester ensemble sur ce point essentiel. Mais en même temps, moi, je ne rentre pas dans des théories sur Brexit dur, Brexit mou, ça c'est un problème interne à la Grande-Bretagne. Ce que nous voulons, c'est un rapport clair et qui soit équitable. Parce que nous avons aussi des intérêts communs, des intérêts politiques, des intérêts stratégiques, des intérêts économiques. Donc nous voulons faire les choses bien. Mais plus elles auront démarré tôt, c'est-à-dire plus tôt la Grande-Bretagne aura transmis sa demande officielle, plus la négociation pourra se passer dans de bonnes conditions. En tout cas, c'est la position claire que je voulais défendre là. Les défis, mais qui sont les nôtres, c'est comment dans ce monde en profonde mutation, mais mutation économique et technologique, sous-estimons pas l'impact de la libéralisation des échanges, mais aussi de la révolution du numérique et du digital, avec les risques sur l'emploi. Donc il faut traiter ces questions. Il faut traiter aussi la question du réchauffement climatique. Il faut traiter la question des menaces, des risques, des risques terroristes, des risques de conflits qui perdurent, Moyen-Orient, Proche-Orient, le conflit israélo-palestinien, qui est un facteur de déstabilisation. C'est la raison pour laquelle la France a pris l'initiative d'une conférence qui aura lieu dimanche prochain à Paris pour relancer le processus qui permettrait de mettre à l'agenda la perspective d'un État palestinien qui aujourd'hui s'éloigne à cause de la colonisation. Mais c'est aussi la nécessité de régler toutes les questions par la voie du multilatéralisme, ce que j'ai dit plusieurs fois et vous m'avez posé la question à l'instant. Pourquoi c'est nécessaire? J'ai évoqué la question des frontières en Europe. Qu'est-ce qui a rendu la relation avec la Russie plus tendue ces derniers temps? C'est d'abord la question ukrainienne. Qu'est-ce qui s'est passé? La Russie a pris la décision d'intervenir dans un État souverain, l'Ukraine, en portant atteinte à ses frontières et en s'appropriant une partie de cet État, la Crimée. Ça a été une guerre. Elle s'est arrêtée grâce à l'intervention politique qui a été prise par la France et l'Allemagne, et qui qu'on appelle le format Normandie. Pourquoi Normandie? Parce que c'était l'occasion de l'anniversaire du débarquement en 1944 sur les côtes normandes en France pour la libération du continent dans la lutte contre le nazisme, et que tous les chefs d'État et de gouvernement étaient présents. Le président américain, le président russe, le président Porochenko qui avait été invité pour l'Ukraine, et le président Hollande a pris l'initiative de les faire se rencontrer. Et ensuite, nous avons maintenu ce format franco-allemand pour remettre en œuvre des accords qui avaient été négociés, qui mettaient fin au conflit armé, qui a fait 10 000 morts, je le rappelle, donc en Europe, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. On portait atteinte à des frontières et on se faisait la guerre. Donc on a stoppé ça. Mais c'est pour ça qu'il y a eu des sanctions. Et les sanctions, elles sont liées à la mise en œuvre des accords de Minsk, qui sont des accords de paix et de réconciliation. Et pour l'instant, ces accords ne sont toujours pas mis en œuvre de façon satisfaisante, d'où le maintien des sanctions. Donc il faut vraiment avoir cette approche-là, une approche claire, une approche ferme et une approche multilatérale, c'est-à-dire aussi sous l'égide des Nations Unies. Et là, vous avez un conflit terrible qui est celui de la Syrie et du Moyen-Orient. Nous, nous souhaitons vraiment que la négociation reprenne, mais qu'elle se fasse dans le cadre des Nations Unies, et non pas simplement comme ça en s'arrangeant entre un État et un autre.
C'est une garantie pour la sécurité collective. Donc voilà notre conception. Elle est aujourd'hui fragilisée. C'est pourquoi j'ai évoqué la question des deals. Il y a des exemples où le multilatéralisme récemment a fonctionné, sous l'égide des Nations Unies, avec la participation d'États. Je pense à l'accord sur le nucléaire iranien. Ça, c'est un bon exemple d'une approche multilatéraliste et du rôle que les Nations Unies, comme garant, peuvent jouer à côté d'autres États. L'Allemagne était présente avec la France, l'Union européenne, et puis la Russie et les États-Unis. Mais nous sommes arrivés à un accord. L'enjeu, c'est de savoir si on va respecter ou non cet accord. Les engagements pris par les Iraniens doivent être respectés, c'est sûr. Il faut y veiller, c'est tout le contrôle qui se fait en permanence, notamment encore ces jours-ci à Vienne. Et en même temps, en contrepartie, les sanctions qui avaient été mises en place doivent être effectivement, définitivement levées, si l'accord est respecté. Mais préservons l'accord. Préservons l'accord. Parce que c'est la base aussi d'une discussion qu'on peut avoir avec l'Iran pour la suite et le rôle que l'Iran doit jouer ou ne pas jouer dans le Moyen-Orient, parce que nous sommes aussi avons aussi la tâche et la responsabilité de faciliter le dialogue entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, entre les chiites et les sunnites, pour une approche équilibrée, pacifiée de cette région. Nous n'y sommes pas encore. Donc nous ne perdons pas le fil. Un autre exemple de résultat d'une approche multilatéraliste dans le cadre des Nations Unies, c'est l'accord de Paris. C'est essentiel pour l'avenir de la planète. Voilà un exemple très intéressant, très convaincant, parce que ce sont les États qui s'engagent, mais avec une originalité et une spécificité nouvelle dans le cadre de la négociation de l'accord de Paris, c'est-à-dire la participation de la société civile. Les acteurs de la société civile qui vont être aussi aux côtés des États qui s'engagent pour leur peuple, être les garants de la mise en œuvre, les entreprises, les citoyens, la société civile en général, comme acteurs. Donc il y a des signaux positifs. Et l'accord de Paris est un exemple pour moi le plus éloquent de ce que nous sommes capables de faire par rapport à un défi considérable. Et celui-là, il est essentiel. Mais attention, ne remettons pas en cause, car là, on ferait un bond en arrière considérable. Et il n'y a pas de développement durable, enfin, un développement, je pense, par exemple, à votre pays, l'Inde, mais c'est vrai pour la Chine, votre voisin, grand voisin, mais c'est vrai aussi en Europe, c'est vrai partout dans le monde. Si on ne règle pas la question du réchauffement climatique, ça sera une source de conflits permanents, de guerre, peut-être aussi. Il y aura des réfugiés climatiques, il y en a déjà, dans les zones désertes qui sont désertifiées en Afrique. Et c'est le dernier défi auquel je voudrais évoquer par rapport aux questions que vous m'avez posées, la première question que vous m'avez posée, c'est le défi du développement. Le défi du développement. Le monde ne pourra pas rester stable et pacifique si on ne prend pas à bras-le-corps cette double question. Celle du réchauffement climatique que je viens d'évoquer, mais c'est aussi celle du développement. Les deux sont liés d'ailleurs. Et pour les Européens, la question africaine est prioritaire. Et il faut l'aborder de front. Car si on ne l'aborde pas de front, le défi migratoire qui est déjà là devant nous va s'accentuer, va s'amplifier et rendra le climat politique en Europe de plus en plus lourd et de plus en plus difficile. Il l'est déjà, à cause de ça. Donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Et cette question ne peut pas être abordée comme ça, par des deals, encore une fois, j'utilise volontairement l'expression, puisqu'elle a été utilisée récemment aux États-Unis, par qui vous savez. Il faut le faire de la façon la plus concertée possible, de la façon la plus multilatérale possible, de la façon la plus solidaire possible, avec la lucidité nécessaire. Et c'est ça la sagesse des dirigeants d'aujourd'hui, c'est de regarder les choses en face. Et c'est pourquoi on peut être à la fois pessimiste, mais là ça veut dire qu'on baisse les bras, ou au contraire on peut être lucide et affronter, mais sur la base de nos valeurs, avec notre cohérence. C'est possible, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est ma conviction. Thank you very much, sir. I am now honored and privileged to propose a vote of thanks on this occasion when we remember our founder, Mr. R.K. Mishra. In three words, for a young person who chanced upon
It was a chance meeting. I was asked to go and see a man who we all feared, revered in the organization I was in. And when I was asked to go and meet him, I clearly realized that what I was, the three thoughts that came to my mind was that he was an internationalist. He had an international view on everything. He was a globalist. He was a patriot. But most importantly, he believed in two ideas, one around institutions and one around partnerships. He emphasized on those two, and ORF, in many ways, is a product of that impulse. On behalf of the Observer Research Foundation, the staff of the Observer Research Foundation, the ORF fraternity, the Raisina Young Fellows gathered here, the Dean of the Asian Forum of Global Governance, Dr. Tharoor, and on behalf of all who are gathered to listen to this seventh Mishra Memorial Lecture, let me extend a warm and hearty thank you, Foreign Minister Ayrault. Thank you very much, sir, for your central theme, which re-emphasizes the mission of ORF, internationalism, partnerships, institutions, and dialogues. Let me also take this opportunity to thank Ambassador Zeigler and his team for setting this up, and to the team at ORF for coordinating and making this happen. Thank you very much, sir, and let me request all of you to join me in applauding this oration.